Voice Radio 103.0 FM. Bon, je ne veux pas te retirer la prise de parole. On est ensemble, en symbiose. Pasteur en ligne. Pasteur, bonsoir. Oui, je peux prendre Pasteur. Pasteur, bonsoir. Il n'est pas en ligne. Pasteur, bonsoir. Pasteur, je crois qu'il va nous revenir tout à l'heure. Pasteur, bonsoir. Voilà. Mondayolo organise son affaire d'agent immobilier comment? Courant bonsoir, 2017. Présent. Oui. Ouais, Pasteur, allez, vas-y. Je crois que tu as suivi ce qu'on a dit. Je voulais lire déjà la connexion, Mondayolo, comment il est devenu agent immobilier. Donc, tu as la police de parole. Dis-nous ce que tu penses spirituellement. Parce que les prières, c'est grâce aux prières qu'on vit dans ce pays. Nous pensons que l'on nous garde. Présent, bonsoir le Cameroun. Bonsoir au couple présidentiel. Bonsoir à tous mes frères et sœurs qui n'ont pas pu manger ce soir au Cameroun. Bonsoir à tous mes frères et sœurs qui n'ont pas pu avoir la lumière dans leur village, dans leur quartier de l'eau. Bonsoir au DCC, qui lui a bien mangé, lui et toute sa famille. C'est bien rassasié, a mis le goudron dans son village, il est content. Mais, faisant tout ce que je peux dire, Benoît a tout dit, tu es en train de tout dire, les temps qui se confessent. Les temps qui se comptent. Que tous ceux qui ont nié, touché ces lignes 94 et 65, sauf que tu me trompes, les temps qui se confessent. Ça ne sert à rien de fuir parce qu'ils seront rattrapés. On ne trompe pas un peuple. On ne trompe pas un peuple. Le peuple, c'est Dieu. Parce que ce petit gars, ce petit enfant, cette petite fille, qui meurt ce soir à l'hôpital central de Yaoundé, je ne souhaite pas. Pour manque de bistou, pour manque de, pas de paracétamol ou quoi. Le sang de cet enfant qui va les rattraper. À quoi sert donc de voler? Alors qu'ils ont eu tous les avantages du monde. Pour servir le peuple, pour aider le peuple, et être bien dans leur vie. Des temps qui se confessent, parce que les jours sont comptés. Ah, ça sort d'un homme, je vous l'ai dit, spirituel. C'est ça, pasteur, lui, il vient, il vous dit, parce que quand ça commence à se désherber du côté-là, il vous dit spirituellement. Parce qu'il faut rester en ligne, je voulais lire un document qui lit. Et comment est-ce que ce monsieur va commencer ces choses? Il est au Gabon. Il crée d'abord une société pantoise qu'il va appeler Ada. Et met sa femme, ça ne marche pas. Parce qu'à l'époque, il commence à penser qu'il peut faire un certain nombre de choses parmi lesquelles devenir agent immobilier. Les vieilles amitiés ont la peau dure. Greffe du tribunal de commerce de Paris. Premier quai de la Corse. Et bon, Paris CEDEC 64. Bon, c'est le tribunal de commerce de Paris. Extrait d'immatriculation au registre spécial des agents commerciaux. Personne physique. Article R.134-1 et suivant et A.134.1 et suivant du code de commerce. Numéro sirène 832-577-662. Nous sous-signer
greffier du tribunal de commerce de Paris certifiant que Mvula Serge Raoul, date et lieu de naissance, 30 décembre 1978 à Yaoundé. Nationalité française, domicile personnel, 83 avenue Fauche, 75 016 Paris. Activité agent commercial, est inscrit au registre spécial des agents commerciaux sous le numéro 20 17 AC 00524 depuis le 12 octobre 2017 avec une date de début d'activité au 29 septembre 2017, délivré à Paris le 12 octobre 2017. En 2017, Vondoyol était où? Il était en France. Délivré à Paris le 12 octobre 2017, le greffier. Entre-temps, en dehors de certains patauges qu'ils font souvent dans certaines institutions de chancellerie, il ne veut pas entrer là-dedans, c'est des petits hommes, comme il faisait au Gabon, avec Sarah, il a abandonné Sarah là-bas. Maintenant, c'est Sarah. Sarah se retrouve dans un emploi un peu dubitatif, sans contrat. Vondoyolo va après concertation au mois de septembre, ils vont se mettre d'accord qu'il faut créer un patrimoine. Parce que Vondoyolo a la puce à l'oreille qu'il peut être rappelé comme directeur du cabinet civil. Yves commence à créer autour de lui une organisation. Il fait venir quelqu'un de Yaoundé qui est au ministère. Le gars simule en disant que je suis malade et se fait prendre en charge par l'argent de l'État. Il va rester pendant plus de deux ans à Paris parce qu'il faut venir remplacer Kechanke. Au début, ils sont à froid, lui et Kechanke. Il dit non, Kechanke, tu as trop mangé. Je dois faire maintenant ma part de réseau. Ce monsieur va rester. Et le conseil de Raoul et madame, c'est de mettre un nouveau réseau qui va lui appartenir. Quand il a appelé à Yaoundé, il va résider au Mont-Fémi. Où il va dire à tout le monde qu'on l'a appelé pour effectivement remplacer le directeur du cabinet civil, le feu Beninga Ebutu. Moi, y compris, nous sommes impliqués pour dire non, il faut qu'il soit là. Parce que nous estimons que des jeunes, il faudrait faire confiance. Entre-temps, nous, on n'est pas au courant que lui, il est en train d'organiser une autre république. Avec des personnes comme Serge Raoul, qui est un ancien pensionnaire de Portugal et de l'Espagne, bien sûr, les prisons. Maintenant, Raoul, en 2017, est déjà celui qui va gérer commercialement ses affaires. Quand vous regardez, vous allez voir à bas, vous allez voir que ces créations d'entreprises sont similaires à certaines dates. On montre le nom, on montre Madame Ayolo devant, mais au fond, celui qui va faire tout le sale boulot s'appelle Raoul. Et c'est pour ça que j'ai d'abord lu, pour que vous compreniez son rôle à travers le pillage du patrimoine camerounais, à travers le pillage du patrimoine étatique sur le plan foncier. Raoul va omettre. Les recherches sont claires. Entreprise dirigeant, greffe, formalité, Asile, recherche de la résultat de la recherche de Mvula. 11 entreprises dirigeantes, 11 entreprises correspondent à votre recherche, dont 4 entreprises matriculées au registre de commerce des sociétés. Je vous dis comment je travaille. Ce n'est pas que moi je ne parle pas derrière. Voilà. Dénomination, il y a Mvula Ange, dont son adresse est 2 rue
de Lignano, 92-700, Colombe. Il a un cabis. Ça veut dire qu'il est légal. Il choisit, il paye ses impôts, il est tout. Vous vous la Serge, il est à la 83e avenue Foch, 75-016 Paris. Certificat d'inscription nul. Il n'a pas de cabis. Cabis, c'est comme le registre de commerce. Si vous ne respectez pas le DOL, le cahier de charge, on vous efface. Il y a un autre Mvoula qui est à la 76e avenue 75-08 Paris. Cabis, bonne chose. Il y a un autre qui est à la rue Édouard Vaillant 91-200 Atis Le Moins. Il a un cabis, ça veut dire qu'il est reconnu sur le régime d'agent commercial. Ça entre dans l'infogreffe du tribunal de commerce de Paris. S'il dit que sa société est existante, Ayolo, c'est toi le parrain. Sylvie Ayolo, c'est toi la directrice générale. D'accord ? C'est votre agent commercial. La preuve en est que j'ai lu beaucoup de choses. Vous êtes en train de détenir tout le bâtiment. Ne détenez pas la maison de Paul Biya. Hein? Parce que nous sommes les héritiers légitimes là-bas au village. Nous, on va aller rester là-bas. On ne veut pas les problèmes. Parce que Mbomeka n'est pas comme Douala. Voilà. Il n'a pas de cabis. Il doit Moube produire le certificat de non-radiation. Si tu dis que tu es encore là, parce que je te donne le temps de vouloir, parce que tu racontes des histoires. En gros, voilà, tu n'es rien. Tu n'es pas agent commercial en ce moment. Donc, au tribunal de commerce de Paris, tu n'es rien. Et je vais te démontrer. Voilà. Pour te dire que nous avons fait une recherche profonde sur l'entreprise qui est immatriculée 832-577-662 sur le label de Mvoula Serge comme dirigeant. Sirène 832-577-662. État, entreprise, cessé depuis... Je voulais que tous les services compétents, que gendarmerie et police, si vous voyez Mvoula quelque part, attrapez-le, jetez-le dans une cellule. Parce que je ne comprends pas. Quand un monsieur devient le directeur adjoint du cabinet civil, il est tout. Il fabrique les choses sur le dos de l'État. Il fabrique les choses sur le dos du ministre des domaines. Mais je ne comprends pas. Ce monsieur doit être dedans. Il n'y a pas pire preuve que ça. Parce que normalement, Ayolo devait être arrêté depuis lundi matin. Il fait quoi là? L'action publique est où? Arrêtez Ayolo et ses amis. Fessez-les, mettez-les dedans. La République est en danger. Heureusement que le chef de l'État a donné un enfant au monde qui s'appelle Georges-Gilbert Baola. Je suis béni de Dieu. Hein. Je ne suis pas le plus fort. Mais Dieu me met toujours au bon moment et à l'endroit qu'il faut. Et naturellement, il y a une caméra qui se balade avec Atiba. Nous, on travaille. Voilà. Voilà autant de choses. Mettez-les dedans. J'en viens. Entreprise Mvoula Serge, Sirène, je disais tout à l'heure, 832-577-662, État, entreprise cessée depuis le 31-12-2017. Ça veut dire 2 mois plus tard. Octobre, il a existé.
dont en décembre, il n'existait plus. Entreprise cessée depuis le 31-12-2017, siège, Sirette du siège, 832-577-662-00, 3x14. Adresse du siège, 83 Avenue Fauche, 75-116 Paris, 16. Catégorie juridique, 1000 entrepreneurs individuels. Vous voulez quel genre de preuve encore pour que vous arrêtez à Yolovou le jeter dedans? Mais il faut dire le chef de l'État, il n'est pas procureur. Il est magistrat, premier magistrat. Arrêtez Ayolo, jetez-le dedans. Parce que je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on peut laisser quelqu'un avec autant de scellés. Ara contrat, on verrait de sortir. Je ne comprends pas ça. Mais je ne comprends pas cette histoire. Le chef d'État, quand il regarde ça, il dit, mais attends. Mais mes collaborateurs, arrêtez Ayolo. Convoquez-le, vous le mettez sur le banc, vous l'entendez, personne ne va vous empêcher. Qui va vous empêcher? Quand c'est l'histoire de Paul Biya, oui, c'est son sosie, c'est le clown. Quand c'est l'histoire de la première dame, oh oui, elle porte beaucoup de cheveux parce qu'elle est déjà malade. Vous n'avez jamais les preuves. Et où est passé même le Conseil national de la communication? On ne voit personne. Maintenant qu'il y a un journal qui a écrit. Pourquoi vous n'allez pas aller poser la question aussi que on était en train d'observer? Donc vous protégez Vondo Ayolo à la place du chef de l'État. Vous avez peur de Vondo Ayolo, mais vous n'avez pas peur de l'institution légale, du président Paul Biya. Non, vous m'avez dépassé. Vous m'avez dépassé. Allez, je ne comprends pas. Quand, en gentleman, moi, si j'ai un cas comme ça, je décampe même du pays. Parce que mes enfants écoutent ça. C'est des réalités. Voilà, on vous la blaise. Qui a menti qu'il était agent commercial. Il est inscrit à la présidence avec un laissez-passer. Comme agent commercial ayant le siège en France. Le voici. Il n'existe même pas. Il a des contrats où Ayolo l'a envoyé. Ayolo l'a envoyé aller faire un certain nombre de contrats. Je vais lire au moins un contrat pour vous rappeler. Pour vous rappeler. Vous voyez? Nous sommes dans un village. Le chef d'État dit, je suis avec les gens. Et les gens l'abandonnent. Et ils disent, le pays leur appartient en termes de prédateurs. Je crois encore qu'il y a un certain nombre de collaborateurs du chef d'État qui veulent que la renouveaucratie ait un bilan positif. Et il est temps que nous puissions le comprendre. Quand j'ai vu le petit garçon de Eto parler, j'ai ri. J'attends que le Qatar finisse. On va te demander de faire les fêtes, les messes d'action de grâce. Je veux poser 1, 2, 3, 4, 5, 10, 14 preuves. J'ai dit, bon, voilà votre 9. Et vous n'allez rien faire. Vous avez quel moyen? Vous n'avez aucun moyen. Bon, voilà. Je ne comprends pas pourquoi on va traîner pour quelque chose de clair. Arrêtez Vondo Ayolo, mettez-le dedans. Est-ce qu'on a besoin de réfléchir? Je vais vous donner une information. Peut-être celle-là où j'entends les gens, oui, tu sais, on ne connaît pas la position du chef de l'État. Vous voulez même connaître quoi? C'est un procédurier. Il a sa charge au sommet de l'État. Vous avez la vôtre. Vous avez la vôtre. Les gardes des impôts, je voulais féliciter ici. Comment tu appelles le type là? Les impôts là. Mopa? C'est bien, petit frère. Mopa, frappez la main sur la table. Amoureux avec les impôts. Qu'est-ce qu'on a fait alors à Mopa? N'est-ce pas? Son ministre de complice est là. Mopa n'est pas là.
Je comprends pas. Pourquoi vous êtes... C'est tout, la peur, là. Donc, mon père, alors, je suis allé appeler dans la nuit pour lui dire que va demander à Mougou de payer les impôts. C'est des bandits, c'est des menteurs. Qui est le chef d'État qui peut dire que ne payez pas les impôts alors que lui, le chef d'État? Le pays, là, va se développer en mouvement. Bon, les gens ont dit non, et l'entreprise appartient à la première dame. Vous savez, les choses là, il faut aller doucement. On a vu Amourou pendant qu'on inaugurait l'église à San Milima. Donc, dès que vous voyez quelqu'un avec l'autre, vous savez, donc si c'est un tueur, l'autre aussi est tueur. Hein. Bon, maintenant, non, ce n'est pas ça. On lui a même dit de payer depuis. Est-ce que. On ne le supplie pas. On ne le supplie pas. La procédure, c'est la procédure. C'est la procédure. La loi, c'est la loi. Voilà des menteurs, des bluffeurs qui ont pris la République en otage. Moi qui suis devant vous là, vous savez combien de conseils on m'a donné? Non, tu ne faut pas parler, tu sais, ton père ne sera pas... Quoi? Le chef d'État m'a donné une éducation de transparence. Moi, je viens entrer dans les gombos. Non, je ne serai pas pardonné, moi. Ayolo vous a dit que il est trop fort. Il est où aujourd'hui, alors? Ayolo, tu ne peux pas. Je te mets... Tu es, pour moi, tu es un poubellier. Je ne mets pas les guillemets. Les gens ne savent pas ce que tu as fait dans cette République. Et je veux mettre tout ça ici. Tu as dit que tu es fort. Voilà tes agents doubles que tu étudies dans ta mafia. Voilà Raoul. Raoul n'a même pas l'identité. Tu recommandes Raoul dans les ministères. Tu le recommandes au domaine et machin. Bon, maintenant que le ministre des domaines sait qu'il n'est même pas ce qu'il déclare. On fait comment alors? On fait comment? S'il arrive au ministère là-bas, fermez les portes! Mettez-le dedans! Il ne va rien faire. Il a fait 5 ans de prison. Vous savez comment il a fait pour sortir de prison? Il n'utilisait un alias. Hein? Il n'utilisait pas Raoul là-bas. C'est incroyable ça. Quand Amourou vous a menti qu'il était le neveu de Martin Beninga et Boutou, il vous a menti qu'il causait avec le chef de l'État. Je me suis braqué. J'ai dit, bon, ok. Entre la vérité et le mensonge, on va voir. Nous sommes aujourd'hui. Ce n'est pas ce qu'il faut enseigner à nos enfants. Ces universités, ceux qui vont à l'école. La fémania n'a jamais été une profession de réussite. Le banditisme, moins. Aujourd'hui, vous voulez qu'on les laisse émerger? Je vais vous donner un exemple fantasmagorique tout à l'heure. Et je voulais le dire. Et pour ne pas perdre du temps, j'ai lu des documents tout à l'heure, je vous ai dit, je vais lire un contrat. Et ça, il a dit qu'il était agent. Bon, il est agent, alors voilà, un agent qui est arrivé aux affaires et qui a posé un certain nombre d'actes. Maintenant, je veux vous démontrer que Monsieur le ministre, je vais vous démontrer que ce monsieur vous a perdu du temps et quand il va encore arriver dans vos bureaux, si jamais il est fermé tout le ministère, mettez les gardiens qui soient fessés parce qu'il n'est rien. C'est un imposteur. Il raconte n'importe quoi. Il vous fait croire que non, c'est Vonayolo qui est le chef d'État. Il est chef d'État depuis quand? Il a été voté par qui? Quelqu'un qui n'a même pas une association politique, même non déclaré. On t'a dit que c'est comme ça qu'on devient chef d'État dans ce pays? Hein, Vondo? Voilà, ton Serge Yaoul n'a pas qualité. Je veux te démontrer que vous êtes des faussaires. Je lis par exemple le certificat de cession qu'une famille a fait malheureusement.
Bien. Ministère de l'administration territoriale, région du littoral, préfecture du Voury. Chefferie supérieure, canton Bel, Bonanjo, Bonapriso, Bonandumba, Bonandumbe, Bonanduma, Bojongo. Certificat de cession numéro 253-2022. Je sous-signais Son Altesse Royale Jean-Yves Eboumbou, Douala Mangabel, né le 12-5-1956 à Paris, France, CNI 11-53-78-960, délivré le 29-02-2012 à LT16, reconnaît avoir cédé à M. Mvula Serge Raoul ce jour par le présent certificat une superficie de 1000 mètres carrés de terrain selon plan pour récompense des actions menées en collaboration du docteur Bidja pour l'obtention de l'accord préalable du ministre des domaines, du cadastre et des affaires foncières en vue de l'amorçage des démarches, des dossiers, des titres fonciers. Cette superficie sera dégreffée sur le titre foncier numéro 1032WA au quartier Ndindé, lieu dit Bois de Singe. Je décline toute responsabilité de droit de propriété après législation du présent certificat de cession. En foi de quoi le certificat est délivré pour servir et valoir ce que de droit. Fait à Yaoundé le 2 mai 2022. L'acquéreur, le cédant, le chef supérieur du canton Bel, Sar Jean-Yves Eboumbou, Douala Mangabel, autorité compétente, BP 27, Douala, Cameroun. Regardez comment on induit le ministre des domaines en erreur. À la suite de cela, voici ce qui lui sera délivré immédiatement. Vous savez, le Cameroun ne sera pas le marché central des prédateurs. République du Cameroun, Paix, Travail, Patrie, ministère du Domaine, Cadastre et des Affaires Foncières, délégation régionale du littoral, délégation département du littoral, non, du Voury, conservation foncière du Voury, ah, bureau du livre, certificat de propriété 2255, CPY.10, MENCAF, SP530, le conservateur foncier du Voury a sous-signé. Certifie que le terrain urbain bâti 6 à Douala, deuxième nouvelle au lieu dit Bois des Singes, d'une superficie de 18 hectares, 98 à 20 CA, objet du titre foncier 1032 de la conservation foncière, à du département du Voury, établi le 20 octobre 2022, volume 06, folio 34, appartient en toute propriété à la collectivité de Dinde. Bois de Singe, représenté par 1. Ntou Mouélé, architecte demeurant à Douala, né le 30 janvier 1952 à Douala, de Alfred Ewanet et de Max Néran Esther. 2. Eboumbou Douala Bel. 3. Bidja Didier. 4. Kamdoum François. 5. Tchanga Marceline, tous de nationalité camerounaise. Pour l'avoir acquis par l'immatriculation directe suivante, demande en date du 25
janvier 2021, enregistré à la sous-préfecture de Douala 6e, le 1er février 2021, le dit titre foncier, dont le duplicatum numéro 1 a été établi, est grévé d'une clause d'inaliabilité, conformément à l'article 2 du décret 84-311 du 22 mai 1984. Le présent certificat est établi conformément aux inscriptions contenues dans le livre foncier à la requête de monsieur. C'est terrible, hein? Voilà. On dit ici de. Voilà. Est établi conformément aux inscriptions contenues dans le livre à la requête de monsieur Ngoula Serge. Ça veut dire qu'il voulait écrire Ngoula. Il a écrit Ngoula Serge en date du 4 mai 2022 pour information. Douala le 5 mai 2022. C'est signé par B. Là, au Master 2, public, qu'est-ce qu'il a dit? Le nom est même bien caché là. On dirait qu'il cache son nom. Mais nous allons le lire parce que le signataire du document. Le signataire du document est bel et bien connu. Donc, vous voyez que on a affaire au petit gangster qui se cache derrière la mafia. Voilà un certificat de cession qui a produit un certificat de propriété numéro 2255 CP, hein, qui a été signé le 5 mai. Hein, et Dink, voilà. Bon. Quittance numéro H630-29-463 du 4-5-2022. Coût 3 000. Bon, voilà 3000 francs qui produit 18 hectares que les bandits vont se partager. Voilà le Cameroun qu'on veut nous donner. La succession de Paul Biya devra souffrir et être interpellée tous les jours. Voilà autant de choses dont je décris tous les jours. Amourou Beninga a annoncé dans les. Il a dit qu'il faut qu'on crée la fuite. Il y a la fuite, hein, mon gars. Mais tu vas rembourser. Il y a les épargnants. L'histoire de Fombo a déclenché tout un marasme. Le marasme, c'est quoi? C'est qu'il y a quelqu'un qui est impliqué, qui a appelé. Et je vais donner une description technique. Je vous avais donné les noms récemment. Je vous ai dit Obama et Somba, Catherine, Ivana, elle est impliquée. Agladala, André, Dingue, Njamo, Ndemwafo, Mbida, Gustave, Naelengati, Maxime, Amada, Salomon, Amboria, Armel. Par définition, voilà les 8 acteurs qui doivent répondre de la mort subite par voie de sinistre de. Du jeune qu'on a fait croire qu'il avait une bonne vidéo alors que c'était une histoire où Obama se baladait avec bien sûr naturellement et Soba. Beaucoup de gens ont confondu parce que beaucoup de gens n'ont jamais su qu'elle s'appelle Obama. Et on parlait d'Obama, celui qui a été fouetté un peu, jeté avec les chaussettes. Non, c'était pas ça. C'est Bidjan.
qui a géré ce dossier avec Obama et Sumba, Catherine Ivana, dont il appelle son épouse aujourd'hui. Mon œil. Est-ce que Blanche peut t'accepter comme beau-fils? La Blanche que je connais là. Blanche que je connais là. Blanche qui s'appelle Mbete Tchama Chantal Blanche. Tu as quoi? Mais petit, va réfléchir ailleurs. Nous, on connaît comment Yaoundé fonctionne. Laisse ces histoires. Dans les quand les trois précités, il y a des choses que les gens font. Parfois, on les regarde, on ne dit rien. Et on va vérifier un certain nombre de choses. On commence à se poser des questions. Mais les gens, même si, qui viennent dans cette histoire, ils n'y sortent même pas. Voilà. Je veux lire une quittance. Moi, j'appelle ça une info. Quand je dis quittance, ça veut dire qu'une info. Ne vous effrayez pas. Je vous donne cette information parce qu'il faut aider la justice à la manifestation de la vérité sans que entacher les règles d'hygiène judiciaire. Comme vous vouliez ou pas, les responsables vont payer le prix. J'ai dit à tous les responsables dont on a tenu avec les sextas, c'est des conneries. Dormez avec vos épouses tranquillement, respectez vos familles. Amouna, aucune preuve contre vous. C'est le professionnel de la fabrication et imitation des signatures. Il y a un capitaine qui est venu me voir, qui est en retraite ces jours-ci, il m'a dit, ouais, ce monsieur a travaillé chez moi. Je ne donne pas son nom. Il a volé mon carnet. À l'époque, j'étais dépositaire épargnant à la poste. Il a imité ma signature. Quand on l'a attrapé, on l'a jeté dedans. Il a été au local 93. Ce n'est pas tout, hein. L'histoire de Binguela, dedans. Voilà. Amour, tu es un petit. Je donne ce numéro pour vous montrer que vous êtes des enfants. Je donne ça pour que le ministre, Laurent, le ministre d'État, suive jusqu'où on l'a trompé. Quand les gens viennent dire, oh, machin, vous pouvez... Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Je veux lire un document. Amourou, je donne ce numéro. Parce que vous avez fait des trucs. C'est vous qui avez dit que vous avez appelé le président de la République dans la nuit. Après avoir commis des gaffes à Etomiki contre moi, non? Apparemment, il y a quelqu'un qui avait appelé, il a dit qu'il était magistrat, non? Et il a appelé, Ayolo a appelé, je ne sais pas qui. Ayolo a appelé, Ndili a appelé. Vous avez tourné, vous avez dit que le président de la République était... Il a fait comment? Vous avez vu alors le retour? Vous allez gérer le retour. Voilà. Vous avez trompé le ministre d'État, Laurent, et je veux lui démontrer ça. Voilà. Vous pensez que vous êtes des malins. Utilisez les noms des gens. Bien. Je vous donne d'abord le numéro. Deux numéros. Je vous donne ça. Monsieur le délégué général à la sûreté nationale, ça ne souffre de... Si vous ne voulez pas, si vous êtes mal à l'aise, vous rentrez chez vous. Hein. Vous faites des tours, vous faites du désordre. Laissez-moi parler pour la République. Voilà. Il y a des gens qui sont fâchés. Vous n'êtes pas fâchés. Vous allez rejoindre les prédateurs là-bas au quartier. Chef d'État, les gens suivent les choses. 01 10 minutes 48 secondes 691 71 97 76 a été en contact avec le numéro
Monsieur le ministre d'État, Laurent Esso. C'est pour ça que les gens ne m'aiment pas, hein. Parce qu'ils savent que je travaille pour la République. Oui. On vous a trompé. Le faux rapport, là, a été en contact avec le numéro 675-21-75-10. Je vais vous aider pour vous dire, ça c'est le numéro de Mvana. 0h10min48s 691-779-776. Tu ne peux pas jeter ce numéro. On te tient à l'œil, ma fille. Tu ne peux pas. Vous avez menti. Vous ne pouvez pas détruire une république responsable. Alors, expliquez-moi. Expliquez pourquoi. Le numéro 675-21-75-10 appartient à un magistrat. Voilà le Cameroun. Mets-moi un peu la musique. Je veux respirer. Je suis très fâché. Voice Radio 103.0 FM. Bien, je voulais un peu déstresser. Vous savez, quand on est dans une émission, on appelle ça radio-réalité. Il y a des choses qui sont compliquées, mais on est obligé de faire le travail parce que c'est l'interpellation de la République. C'est l'interpellation divine. Il faut mettre hors d'état de nuit ces braqueurs de la République, de toute espèce, qui trompent des personnalités qui utilisent l'État, les sceaux, les armoiries. Et c'est pour cela que j'ai demandé que je voulais respirer un coup. Les gens pensent qu'ils sont des malins. Ils ne sont pas des malins. Ils ne sont pas des malins. Je vous ai donné ces numéros. Moi aussi, je répète encore. Le 691-779-776 appartient à Obama et Soma. Ça ne souffre d'aucune contestation. Le 506. 2020. Il y a eu 3 minutes de conversation. Je vous demande pardon. 0h10min48 avec le numéro le 675-21-75-10. Le même numéro. Je me suis réveillé au pied du mur. Le 5-06-2020. J'ai entendu. À 2h. C'est terrible, hein. A fait moins de 2 minutes. Moins de 3 minutes, je vous l'ai dit. 2 minutes 57. Je me suis mis. Tiens. Je demande pardon. Donc 103.0 FM 0h 5 minutes 18 secondes. Pardon. À tout ce que je n'ai pas compris. 675 21 75 10. Ils ne m'ont pas compris. Je vous demande pardon.
dans le ditchman qu'on appelle Mel. Les longueurs d'onde. C'était Yaoundé 1. À 13 301 de Taïmel. Et pour museler ces canons, au lieu dit Yaoundé, pas très loin de l'ambassade de la Corée. J'ai fait ce que j'ai pu. Le masque OCM me signale dans mon groupe. Balade régie. Yaoundé 1. Où mon orgueil défie mon ego. Je sais que Taïlon 11 524. Mon regard a rencontré mes yeux. Qu'est-ce qui se passait à cette heure-là pour que les gens puissent appeler? Devant cette absence d'humilité. Et Souma, tu peux nier? Et dans ma vanité, et c'est pourquoi monsieur, je vous demande pardon. Le 675-21-75-10, ça me signale sur mon tabloïd que ça appartient à un magistrat. Mais je préfère garder le calme pour que le premier magistrat puisse le traiter, le président Paul Biya, et le magistrat technique Laurent Issot, ministre d'État. Il sait de quoi je parle. Voilà, majestueusement, une affaire qui a tourné dans le bluff. Non, ils ont les vidéos. Attention, la République. voilà la République, le bluff. Quand je vous dis que le bluff peut amener au désastre, tout ça c'est parce que le bluff, des images fabriquées. On ramasse des images pour aller faire chanter des gens. Celui qui ramasse même ces images ne sait pas que c'est une histoire de business. Un matin, on lui dit que voilà, tu en fais trop. Et les prétendus, on prend en otage. Le ministre, tu vois, m'arrive normalement à la télévision, vision caca, vision 4. Même si vous avez un ami et que vous allez à l'anniversaire de ses enfants, c'est ça qui lui donne l'autorisation qu'il fasse des choses sur votre dos. Monsieur Bibé, on vous a dit que Amourou était trop puissant. Ça vous a fait trembler. Tu ne parles plus là-bas. Quand je vous dis souvent que vous êtes des gens bizarres. Il suffit que quelqu'un vienne avec la teinture, c'est terminé. Ce que je trouve de bizarre dans cette affaire d'Amourou, c'est que la personne même qui a donné un peu de peinture à ce monsieur pour qu'il puisse vivre même en dehors de la logique réelle, c'est Fama Ndongo. Le ministre d'État Fama Ndongo. Vous l'avez déjà vu courir derrière Amourou. Quand il vient, il dit Amourou, calme-toi. Ces choses-là, c'est pas comme ça. C'est moi le boss. Le projet de Issam, le ministre d'État Fama Ndongo s'est impliqué dessus intellectuellement, scientifiquement. C'est un prisonnier qui a pensé à ça étant en prison. Et ils ont demandé l'expertise. Non, c'est naturel. Quand quelqu'un pose un acte, il faut savoir là où sa responsabilité est déterminée. La seule chose que je reproche au ministre d'État, c'est d'être complotiste. Vous ne pouvez pas voir quelqu'un qui était un imposteur pour continuer à animer ce genre de débat. Vous mettez votre vie en danger aussi. Il a voulu faire la même chose que le feu Ndissamba avec son patron de Ayolo. Voilà ce qu'ils ont fait.
Vous avez voulu imiter, vous avez même imité aussi le feu Mkotoké allait peut-être à part en brousse de singes. J'espère que les singes ne vont pas aller rester à l'intérieur là-bas. C'est très malheureux. 103.0 FM. Vous laissez les villes pour aller implanter les décors, l'autre construit des maisons, tous les 43, 45 kilomètres que tu as fait là. Ça va te servir à quoi? Ça va te servir à rien du tout. Ta place, c'est l'atoll. Personne ne va te faire des cadeaux. Personne. Il y a des preuves. Les scellés sont là. Amourou, même chose. Moutaz, lui, il a dit qu'il attend, il n'y a pas de problème. Voilà, voilà des réalités qui sont impardonnables. Donc, tout pensez que si le président de la République va en retraite politique, il choisit, il va arranger le pays, il va mettre de l'ordre. Mais quand il va finir, quand il va aller en bon moment, tu crois que si je te vois venir, je te dis que monsieur, tenez-vous là-bas. Vous ne pouvez pas. Vous allez faire comment? Vos enfants vont vivre où? Vos épouses qui font le bruit partout là maintenant, elles vont vivre où? Vous devenez plus fort. Une femme qui se compare à la première dame. Non, elle a porté telle tenue. Il faut que moi aussi j'ai le sac là. Le sac Hermès. Des choses du quartier, des choses des villageois. Parce que les villageois sont respectables, même ceux qui sont même dans les durnes en brousse. Quand je dis villageois, des gens qui ne connaissent pas vivre, qui ne connaissent pas la vie, qui ont peur du tout, qui pensent que c'est tout, maintenant rien pour les autres demain. Vous pensez à vous, vous pensez aussi à votre génération. Qui suit? Les enfants là vont aller vivre où? Vous voulez détruire les vies des autres avant que ces gens ne naissent même? Quand un enfant naît, il n'est pas sûr, il n'est pas au courant que son père est prédateur. Quelle est l'éthique que vous apprenez à vos enfants? J'ai entendu des gens dire, oh non, il y a les gens super puissants. La super puissance que vous, les gens de Koningi, vous étiez en train de dire que les gens étaient puissants, Amoureux est puissant. Il est où alors aujourd'hui? Votre Amoureux est là où? Tagne, il est où? Tu as suivi même le chantier là-bas, on ne t'a pas donné l'argent. Même pas l'argent, même pas acheter même des beignets. Ça dit que vous faites des choses, ça dit comme si vous étiez des extraterrestres. Vous voyez dans les républiques, partout, ça tombe. Vous pensez que le Cameroun est exceptionnel? Quelqu'un vient construire une boîte de nuit sur un terrain de l'État, il est un fait-man, il raconte des histoires, il pense que c'est normal. Je sors avec la nièce du chef de l'État. C'est une référence. Et quand on va vérifier, on trouve que c'est une vieille roublade qui a grandi à New Bell avec beaucoup de difficultés d'élever même ses propres enfants. Vous savez pourquoi je dis tout ça? Pour que vous vous regardiez dans le miroir. Si nous tous on était dans le bluff, on serait où? Si tout le monde choisit d'être bandit, la République va se développer comment? Vous fabriquez des choses. Non, il y a telle personne qui tient l'autre en chantage. Jobet, c'est qui? Et ils viennent se placer devant les gens. Raoul, c'est qui? Raoul est alors où? Raoul sort alors, tu viens dire alors comment tu es grand. Ça vous sert à quoi tout ça? Si ce n'est pas le pire des espèces d'humiliation. Oh, il a construit la maison, il a fait ceci. Voilà, vous avez tracé vos routes. 30 ans. À l'intervalle de 30 ans, Ayolo, tu es poursuivable. Est-ce que tu comprends même ça? Ça veut dire que 30 ans à l'intervalle, crime contre la nation, tu ne peux pas t'en sortir. Amourou, même chose. Vous allez faire comment? Moi, c'est la question dont je me pose. Il y a les scellés. Moi, j'ai mis déjà tout à la place publique. Vous allez faire comment? Les gens notent, ils sont là pour ça. Un magistrat qui appelle une femme qui est présumée être coupable dans une histoire d'homicide. À cette heure-là, c'est pour dire quoi?
Et c'est le même magistrat qui a osé faire signer le mandat de dépôt au fils du chef de l'État en disant qu'il a eu l'autorisation du cabinet civil. Suivez mon regard. Vous savez pourquoi je ne veux pas prononcer son nom? Parce que si je n'ai pas du respect pour la merde. Voilà la réalité. Mais monsieur le ministre d'État, est-ce que c'est normal que des choses pareilles se passent? Voilà le Cameroun. Oh, le président, bah, on la parle beaucoup. Il ne faut pas parler. Nous ne disons pas. Nous, on ne va pas dire. Ok, qui va venir parler alors? Le fantôme? Le chef d'État lui-même dit que je vous dis, les bandits à col blanc dans tous ces discours, c'est le refrain. Mais comment on peut être aussi fossile dans un pays? Si on pose la question à ce monsieur, vous avez appelé Issoma à telle heure. Issoma vous a appelé à telle heure. C'était pour faire quoi? Puisque moi je sais c'est pourquoi ils l'ont appelé. Ils se sont appelés, je sais. Et avec ça, vous allez empêcher le magistrat instructeur, magistrat debout, magistrat qui va appliquer la loi. Le magistrat qui va appliquer la loi, il est le magistrat instructeur de cette affaire. Comment on va influencer quelqu'un avec autant de preuves? Vraiment, quand on parle des choses, Job, toi tu dis que tu connais, tu n'es rien. Tu portais de l'argent, tu allais donner un bon. Et on se sait pourquoi tu allais là-bas. Vous pouvez même porter les problèmes sur vous pour rien. Jobet, ce n'est pas aujourd'hui. Si tu veux, je te définis tout ce que tu as déjà fait hors CIMA. Avec Ayolo, avec beaucoup de gens. Tu as menti aux gens. Tu as fait des fausses promesses. Tu es capable de nommer, de faire que quelqu'un ait le galon de général. Tu es ce qu'on appelle un général. Tu connais l'armée. Et c'est incroyable. Et c'est comme si ces gars mangent souvent le sucre. C'est ce qui me dépasse. Quelqu'un est là, tu le regardes même, tu sens que ce monsieur, c'est un menteur. Quand tu vois Raoul, tu sens même que celui-ci, c'est un repli de justice. Il se retrouve avec les lycées passés de la présidence. Il se retrouve avec les... Bon, ok. Maintenant, il n'est plus agent commercial. En France même, il n'est pas agent commercial. Je vais même aller plus loin. Le président Sarkozy dont lui parle là, il est sûr que moi, là où je suis ici en studio, je ne suis pas très proche de lui. Mais c'est incroyable. Et ils sont toujours comme des goujats. Ils ronronnent. On fait comment? On laisse tout? On laisse le pays tomber? Entre les mains de quelques petits bandits? Ayons pitié de nos enfants. Ayons pitié de nos générations qui nous suivent. Mais voilà autant de choses. Oh, l'affaire Fombo, c'est s'il n'y a pas les preuves. Vous êtes sûr? Vraiment, Annie. Celui qui s'est impliqué dedans, on connaît. De gros mensonges à le porter, ça allait déposer sur la table du ministre d'État. Non, vraiment, vous voyez, les gens ont soupçonné. On n'aime pas Amourou Belinga. On n'aime pas Amourou Belinga. Que lui-même, quand il mentait sur les gens, le 7 top 5 ans, il dit qu'il a les images. Quelles images Amourou Belinga a? Il n'a rien du tout. C'est les trucs qu'il a collectés de 55 ans qu'on va en route. On coupe les têtes, on fait danser l'image et tout. Vous avez déjà vu quel sex tape là, on filme les gens. C'est quoi? C'est devenu pornographique. Quel est le responsable qui peut accepter qu'on le filme sa nudité?
Ça dit, vous prenez les gens pour des fous. Et les gens acceptent, oui, c'est vrai. Il a les vidéos. Vidéos de quoi? Oh, Zombe a l'argent. Il a conçu un immeuble à Ouarda. Maintenant, ce n'est plus son immeuble. Ce sont les SCI. D'où sort alors Ayolo Dedan? D'où sort lui, Paul Moutazé? Et on prend tout pour faire peur aux gens. Bon, vous savez, c'est le président. Vous savez, il est protégé par le chef de l'État. Non, ce n'est pas ça. C'est la première dame. Non, c'est la gouvernante. Non, tu sais, vraiment, on a vu les enfants, on a vu le ministre d'État. L'autre jour, il était chez lui là-bas. Le ministre d'État est dupé, je vous le dis. Je vous le dis et je sais pourquoi je vous le dis. J'ai des moyens de vérification profonde. Oh non, c'est attends, si tu ne fais pas ça, attention, on va faire. Moi, on a menti sur moi. Où sont les 75 plaines là alors? Vous avez porté le mari, vous êtes allé dire au ministre d'État, oh, il a 75 plaies, il a fait ceci. Où, c'est où? C'est où? Le chef d'État, il ne vit pas, il est malade dans bientôt. Et eux, ils font croire ça aux gens. Ils montent des messages. Boris Berthold fait le recrutement forcé avec Raoul. C'est eux qui ont monté la basse avec leur agent immobilier. Il peut nier, il ne peut pas nier. J'ai des TikTok. Où tu parles avec les gars de la basse. On va mettre ça sur le micro. Tu vas suivre toi-même, puisque tu aimes souvent le bavardage. Voilà autant de choses. On ne peut pas accepter cela.